Voilà. Ça commence bien. On nous accueille dans cette maison avec les fameuses migales. Le pauvre Greg s'en est pris plein la tronche. Hey, 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 mes petits culs, comment allez-vous en ce samedi matin? J'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour ce 11e épisode du Decades. Non, pas du tout! De Voyage Surprise! Aujourd'hui, eh bien, nous sommes le dernier jour d'hiver. J'ai très, très hâte. Il fera que du vent, il n'y aura donc pas d'orage, et ça, c'est génial! Et puis, ben, aujourd'hui, plus que jamais, certains objectifs avec Jessie, c'est d'arriver au niveau 10 comment elle s'appelle? En pêche et en jardinage. Mais le jardinage, va falloir attendre que les plantes repoussent parce que, bon, bah, je peux pas faire de miracle, quoi. La pauvre bichette, elle vient d'aller se coucher. Et lui, il s'est fait piquer. Les pauvres. Allez, le petit bain du matin. Avec Monsieur Dauphin, Monsieur Dauphin est là. La 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 la. Bon. J'aime trop, c'est trop mignon. Est-ce que c'est le même que d'hab? Ouais, mais à chaque fois tu recommences la relation à zéro, je comprends pas. Petit poisson. Quand même, on peut lui donner pas mal de choses à ce petit dauphin, quand même. Bon, comme le but c'est d'être ami avec deux dauphins, mais je ne sais pas. De quelle manière, si c'est toujours le même dauphin qu'on commence à zéro, je ne sais pas trop. Voilà, pour l'instant, il est curieux. Tu peux caresser, tu peux lui parler. Voilà, rien que déjà le matin, on complimente le dauphin. Wow! Alors on n'a rien fait, mais moi, Pelham prospère. L'île est globalement plus saine et les animaux la considèrent comme un sanctuaire. Des tortues de mer ont été vues en train de pondre sur la plage. Guetter un événement bien spécial, l'éclosion de bébés tortues. Un dauphin albinos rare a également été signalé en mer. Moi, Pelham a désormais totalement retrouvé son état originel. Cela s'est fait. C'est cool, mais j'ai pas encore eu moi les tortues là, donc je sais pas du tout où est-ce qu'il faut voir. S'il y a les trucs de tortue quelque part. Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, il y a toujours des saletés qui traînent partout. Donc. Enfin bref, en tout cas, c'est cool. Et Grégouille est toujours se fait un grand copain ici. Donc c'est bien. Bon, le dauphin est parti, mais on est quand même copain avec lui. Mais on ne peut pas l'appeler. Ah, oh, quelle tristesse. Mais attends. Ah mais oui, il y a un souci parce que j'allais dire, normalement t'es copain avec... Ah oui, c'est vrai que t'as un petit truc. Ah oui, ah ouais, ah ouais, avec la petite Calypso. Et tu grandis quand déjà? Dans 4 jours. Bon, ce sera pas encore maintenant. Voilà, le dauphin est invisible, mais c'est pas grave, tout va bien. Oh, mais c'est mieux, maintenant on est amis avec le dauphin. Whippy, 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 ah! Bon, bah c'est cool, ça en fait au moins un, et puis après, bah, on retournera. On essaiera de choper l'albinos, hein, vu qu'il est apparemment dans le coin, il a été signalé, donc il faudrait que je guette, et à certaines bouées peut-être, mais ça sera pour plus tard. Tiens, tiens, tiens! Bon, après les araignées, c'est notre petite femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, bah d'accord. Oui, va te laver un peu, Greg, parce que là tu pues. Je suis pas sûre que ça lui plaise que tu pues quand même à ta future. On remarquera qu'il y a les espèces de trucs fluorescents lumineux un peu partout maintenant. On est là, là, ici, et puis là. Effectivement, hein, on arrive à avoir une plage apparemment un peu plus vivable. Salut les volcans, toujours aussi hot. Et c'est une journée qui se finit tranquillement. Pour nos deux petits protagonistes. Oui! C'est le printemps! Enfin! Et ce qui veut dire que les plantes vont revivre! Ça va enfin monter pour le... Oh, bah oui, les ananas! Mais non, mais non, mais si! Les ananas sont là! On va pouvoir... elle va pouvoir atteindre le niveau 10 comme ça. Et puis, ah non, on va se faire piquer. Ouh là là. Ou alors, moi j'ai trouvé une technique, c'est qu'en général, quand ils se font piquer quand ils dorment, parce que c'est un peu toujours, voilà, il faut leur faire faire quelque chose et ils vont pas se faire piquer. Donc là, c'est bien. Après, ma petite, tu mangeras un petit peu le festin des îles. Et tu iras t'occuper du jardin. Tu vas tout désherber, tout arroser. Et là, du coup, c'est une plante greffée. Cava et
cava et ananas. Ah oui, donc tu vas pouvoir tout récolter également. Youpi! Bah, vas-y, sois un peu plus heureuse que ça, Jessie. Là, tu vois bien que ton jardin y revient. Ah, voilà! Ça fait du bien de retrouver le petit jardin. Oh, j'adore la plante greffée et les ananas où ils sont pas. Alors, à la plante, c'est du grand n'importe quoi. Là, ça pousse en haut et là-bas, ça pousse en bas. Mais au moins, ça pousse. Ah, les abeilles sont réveillées. Ça, c'est bien. Tu vas pouvoir mettre le traitement anti-mite et pas de combinaison, parce qu'on n'en a pas. Et, mais des loups et des lions, hein, ça, par contre, on peut. Ah non! Elle se fait quand même piquer, hein. C'est pas possible, hein, cette histoire. J'espère que, ouais, c'est pas les abeilles de l'enfer, hein, que ce soit bien ces abeilles-là. Oh, en tout cas, c'est cool. C'est le printemps. Enfin. Et en plus, ça colonise et tout ça, c'est très bien. Mais oh, tu peux récolter le miel et nouer des liens, s'il te plaît, cocotte. Voilà. Ça, c'est bien. On est heureux d'avoir des abeilles improvisées, apprivoisées, improvisées, n'importe quoi. Tu vas nouer des liens et après tu me récoltes tout. Ah, t'es pas bien, t'es pas assez bien. Tu casses les pieds, Jessie! Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'avais pas vu, mais il s'était fait piquer encore par une abeille. Apparemment, c'est pas les abeilles tueuses, hein, mais c'est bien les abeilles de la jungle, donc croise les doigts qu'il aille mieux. Plus, il a mangé du miel. Il s'est jamais l'eau parce que j'ai pas eu le temps de lui interdire. Bon, bah, il va courir un petit peu, ça lui fera pas de mal celui-là. Et elle pêche. Par contre, elle a pris un peu de gras. Ouais, ma pauvre. Va falloir refaire un peu de sport. Hein. Oh, quel joli poisson. Oh oui, regardez les tortues. Elles étaient pas là avant, elles sont apparues. C'est magique, oui, magique. Les tortues apparaissent dans la crique. Ta-da-da-da-da. Qu'est-ce que c'est que ça? Des méduses? Ah, mais ça, c'est pas cool, par contre. Mais j'en avais pas encore vu. Ah, c'est trop bien. Mais comme on a réhabilité la faune, la flore, tout ça, maritime, et bien du coup, on découvre des nouvelles bestioles. Bon, je n'ai pas encore eu l'éclosion des œufs tortues, donc bon, pour l'instant, on sait pas trop. Voilà. Est-ce que lui a mieux s'en sortir que sa mère? Ah, bah, pas trop, en fait. Mon pauvre petit, est-ce que tu peux vraiment essayer? Ah, il va vraiment se faire piquer. Ouais, va te coucher, va. Ce sera pas plus mal. Ah, ma petite Jessie, jamais en train de pêcher, toujours en train de faire chier, ça c'est sûr. Ah, qu'elle est casse-pieds celle-ci. Alors, on est à combien en pêche? 9, 27, super. Petit tour du propriétaire, j'ai rajouté une fenêtre ici. Et pour les objets du jour, j'ai donc ajouté le miroir ici. Que Jessie a fabriqué dans la chambre et un petit pot ici, pot de fleurs. Pff, je me suis dit pourquoi pas pour habiller un peu la terrasse. Voilà. Oh mon Dieu, la saison de l'éclosion des œufs de tortue commence. Des œufs de tortue commencent par à éclore. Allez à Moi Pelham pour admirer le fantastique voyage des bébés tortues jusqu'à l'océan. Oh, je vais chercher ça. Finalement, c'était tout à côté de la maison. Et dire que dans la vraie vie, c'est vrai que c'est complètement quelque chose d'incroyable parce qu'il y a des milliers de tortues qui sortent et pourtant il y en a si peu qui survivent parce qu'elles se font bouffer. Oh là là, c'est trop mignon! Oh, les petites tortunettes, elles sont trop chouettes! Regardez-moi ça. Puis il y en a à côté en plus, regardez là-bas. Il y en a encore pas mal là. Oh! Oh là là, les petites tortues, c'est trop chouquette. Bon, bien sûr, on fera l'impasse sur le fait qu'il y a des banderoles et tout ça, mais le petit Greg Junior, il est tout content de voir les tortues et il va les encourager à sortir du nid et à braver la vie. Tiens, 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 qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi tu... Oh là là, oh! Ils sont déjà en train de fusionner, moi je vous dis, c'est l'amour qui arrive, hein. Regardez le futur enfant à quoi il va ressembler. Oh la vache, c'est trop flippant.
Oui, excusez-moi, il pue, Junior, il pue rien, hein, le pauvre chou. Voilà. Bon, on dirait pas, mais Jessie est très contente aussi pour ses petites tortues. Ah, mais il y a toutes les sirènes qui débarquent, hein. Ah, c'est l'événement de l'année, un petit peu quand même, hein. Regardez-moi, ils sont tous par contre sur l'autre truc, mais c'est pas grave. Elle est toute seule. Mais c'est pas grave, tu vas aller discuter avec eux, regarde. Attendez. Non, pas lui. Mais les autres, là, si, tu peux leur parler. Bah, elle a froid. Et ta future belle-sœur, voilà. Tu vas discuter, ça va te faire du bien, Jessie. T'inquiète, t'inquiète. Oh, regarde, ils sont en train de fusionner avec l'autre fille maintenant. Oh là là, là, il va pas savoir laquelle choisir, le Greg, hein. Ah, Morgane est là. Alors, si Morgane est là. Mais à chaque fois, on doit reprendre. Non, c'est Mordiane. Je sais plus c'est qui, moi, Morgane. C'est le rouge, c'est le roux. Mais bon, on va y arriver. Je crois que ça y est, c'est la fin. Les dernières petites tortues. On rejoint la mer. On leur souhaite plein de courage pour leur vie. Et puis voilà. Il n'y a plus des petites tortues. Oh, Bichette. Bon, ma petite Jessie, il faudrait peut-être que tu t'occupes du jardin. Tu t'en es pas trop occupée aujourd'hui. Les cocotiers sont de retour parmi nous. Ah, ouais, ça a l'air de bien se passer, hein. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire avec eux. Ni arroser, ni tout ça. Écoute, tu vas quand même parler avec tes plantes. Tu vas leur demander si ça va, si les racines sont en bon état, si elles n'ont pas besoin de trop d'eau, tout ça. Et ça te fera du bien aussi au moral. Et tire à voir un peu les petites abeilles et récolter leur miel. Bon, voilà. C'était une journée un peu fade pour la petite Jessie. Enfin, si, il y a eu les tortues, c'était quand même. Et Greg est pas très très en forme. Bah, tu finis de manger, mon beau, et puis après tu pourras aller te coucher. Un bon gros dodo qui va tout réparer les bobos. Et tu verras, ça ira mieux. Voilà, maintenant que le printemps est enfin arrivé, il s'installe, mais la pluie revient. C'était trop beau pour durer, hein. On avait eu trop de journées sans pluie, donc fallait bien que ça arrive. Dommage, c'est aujourd'hui. C'est très mignon ça. Bah oui, que le petit Greg il essaye de se mettre au jardinage. Bon, c'est pour déjà pour la journée fériée. Puis je me dis, on pourrait croire que il fait comme sa mère. Sinon, au moins, elle pourrait essayer de lui enseigner, mais elle ne maîtrise pas encore entièrement le jardinage. Donc bon, tu peux prendre une bouture, tu peux faire des recherches et tu peux greffer. Oh la vache, tu greffes quelque chose, on s'en fiche. On va rigoler quand même. Oh non, maintenant c'est elle qui est zébrée. Oh là là. Attention, invasion d'abeilles. Greg se fait piquer. C'est la débandade. Mais c'est bien qu'ils soient pas loin du jardin. Ils le font. Ça, elles vont coloniser elles-mêmes. C'est pas plus mal au final. Ça doit être un bon miel ce qu'elle a dû avoir là-dedans. Hein. Tu peux me le récolter du coup, stop. Voilà, à mon avis, il doit être bien, bien bon. Et puis, ça doit faire du bien d'avoir du miel quand même. Sur les tartines qu'ils n'ont pas, puisqu'ils n'ont pas de pain. Et oui. Bon, c'est pas encore le nirvana, hein, mais on arrive. Oh la vache, le truc qu'elle prend. Mais on arrive à la pêche 58%. Tu vas respirer comme d'habitude. Hein. Tu me casses les pieds. On y est presque, cocotte. Allez. 58%, 59%, il faut arriver au 100%, s'il te plaît, j'en ai marre de toi. Ouais, elle peut plus respirer. Elle prend une douche sous la pluie, écoute, hein, là au point où t'en es. Ça te fera peut-être du bien. Hein, cocotte? C'est quoi cette tête? Mais bouge tes fesses un peu. On n'est même pas à 60%. Bon, elle est censée prendre une douche sous la pluie, mais bon, ça ne se voit pas. Et tu iras pêcher de nouveau. Tu iras manger après. Oh là là, pêche avant. Je t'ai dit, quand tu auras le niveau 10, je t'emmerderai plus avec la pêche. Donc maintenant, il suffit que tu le chopes. Et une fois que tu auras ton niveau 10, ça ira mieux. Promis, juré, craché. Ah, elle me casse ses pieds. Enlever les vêtements mouillés. Voilà, c'est bien. Maintenant, tu pêches. 61%, 62%. Oh là là, j'aurais tellement voulu atteindre le niveau 10. Oh, et lui, il commence à faire ses. Oh, va jouer sous la pluie, tiens. Là, ouais, ouh là là, ouh, c'est rigolo. Ouh là là, qu'est-ce qu'on se marre. Allez hop, tu pêches. Ah!
Ben non, il se fait attaquer par les chauves-souris. Par contre, il a bien perdu du poing, hein. Ça, c'est cool. Eh ben écoute, tu peux te... je ne sais pas. Tu peux, tiens, tu vas faire une toile. Toile réaliste à sens influence. On verra ce que tu as. Pendant que maman est en train de lamentablement essayer de pêcher. Bon, elle y arrive un petit peu, hein, mais ça reste quand même... Pff, les 66%, on est loin des 100%. Voilà, comme elle s'est née, elle est chiante et toutes les 2 minutes. Faut lui faire respirer un coup. Tiens, tu vas pêcher avec un appât arc-en-ciel. Allez. On va voir si ça te ramène quelque chose d'intéressant. 70%! Voilà. Et j'ai faim, et nanana, et tu me casses les pieds. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas manger du miel et manger un ananas. Voilà, et une racine de cava en plus. Si avec ça, t'es pas au top, et tu pêches maintenant. Allez. Voilà, là t'as rien, t'as pas à te plaindre, t'as plein de choses positives. Allez, Jessie, allez. 74%, Jessie, allez, tu m'énerves, pourquoi tu t'arrêtes? Alors que t'es pas malade, tu me saoules si tu savais. 76%, non mais voilà. Ah, ça y est, là, elle est pas bien, donc elle respire. Hop, elle est pêchée, de nouveau. Oh non, mais on va y arriver, hein. 77, 78. Oh, mais au moins dans les 90%, cocotte. C'est bien, regarde! Tu rattrapes plein de choses et tout. C'est bien, lui, on s'en fiche, on fait pas attention. Voilà. Faut pas te comparer aux autres. Les yeux de Soulani. Oh là là, c'est vrai que... 85% les enfants. Eh ben, continue de pêcher, affugu. Allez. Bon, il est 2 h du matin, c'est pas grave. Allez. Eh, tu casses les pieds. Ah, ce qu'il faut qu'elle respire quand même. Ah, oh, mon Dieu. Pourtant, elle était d'humeur complète là, hein, mais... Oh, 88%. Je vais l'épuiser jusqu'à la moelle. Elle va tomber dans les pommes. Au lieu des poissons, c'est bien dommage, mais... Oui, respire. Voilà, allez, pêche un coup encore. Et tu me... Ok. Elle est malade à tout ce qu'il faut. Non, mais regardez, on est à 90%, 91. Le suspense est à son comble. 93. Ah non, je t'en prie. Je t'en prie. Mais change-toi. Je sais pas, changer de tenue. Mais ça. Voilà, t'es contente, vas-y, pêche. Sinon, t'as que les pieds dans l'eau, tu peux, même en jean, tu pourrais pêcher. Oh là 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 là, non, je vais y arriver, c'est pas vrai. Ah, oh, je t'en prie, connasse! Oh, je vais la tuer. Je vais la tuer. Tu vas te dénuder, on s'en fout, on y va. Voilà, elle est contente. Allez, tu repêches. Allez, on est tellement près là! 96%! Mais pêche! Oh, tu vas t'entraîner à chanter. Allez, on va la prendre pour une folle. Elle est à poil en train de chanter et devant pour pêcher. Elle veut pas pêcher sans se quitter. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu veux pas. Elle veut pas. Elle est fatiguée. Tu sais quoi? Tu vas aller aux toilettes. Je refuse! Tu allais faire une sieste pendant que lui, il a fait sa life, hein. Vous avez remarqué? Oh, elle est tombée dans les pommes. Le cul en l'air! Elle est à Walp en plus! Oh l'angoisse! Mais non, Jessie, mais non! Ouais, en tout cas, t'auras. Non! Oh non, 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 non! Non, c'est trop tard, il va se faire bouffer. J'ai pas envie, envie qu'il meure. Oh non, oh non, oh non, s'il vous plaît. Si, si. Et ça, c'est les abeilles qui tuent, ça. Douleur cinglante. Mais tant qu'il n'a pas les ronds verts, c'est qu'on est bien. Alors, c'est bon? Tu reviens pêcher? Allez. Oh, t'as dormi, là. Viens pas te plaindre. Tu viens te... La meuf qui utilise ses Sims jusqu'à la corde.
96%, de sable, ça te fera du bien. Allez, je veux pas passer l'épisode maintenant à la froid. Oh, qu'elle m'énerve! Mais qu'elle m'énerve! Oh, l'insupportable meuf, quoi. Allez, tiens. Mais t'as pas besoin de te mettre en maillot de bain pour avoir les pieds dans l'eau! Mais regardez-moi, on est à 4%! Ah, je vais la tuer. Écoute, va faire une sieste parce que tu m'agaces. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais si je faisais du n'importe quoi mouillé. Oh, bon, oui, donc. Ah, bah alors. Bon, bah, toi, tu vas aller aux toilettes. Et tu vas aller t'occuper des abeilles, tiens. Elles ont besoin de toi. Les abeilles, si tu savais, elles vont faire plein de miel pour toi. Et pendant que maman roupille un peu sur le canapé, eh bien, moi, j'attends d'avoir le niveau 10. Empêche. Elle a plus de miel? Ah, si, là. Hop, parfait. Regarde-moi ça. Tu vas être au taquet, taquet, taquet. Tu vas être énergisé parce que tu auras dormi. Et je te jure qu'après, tu nous fais les 10 points en pêche, je te le dis. Regardez. Qui voilà. Toute confiante et vive motivée. C'est Jessie, un peu requinquée. Ouais, elle va venir pêcher et compléter. Ah, j'en peux plus, cette fille. Je vous le dis, moi. Allez, 83%. 98. Elle se plaint, j'en ai marre. Oh, qu'est-ce que j'en ai marre de cette Sims? Tu pêches. Allez, punaise, il reste 2%. Oh, je t'en prie. Je vais la. Hey, je vais vraiment. La prochaine fois qu'elle tombe malade, vous croyez quoi? Moi, je vais pas la sauver, hein. Pêche! T'es à 100%! Pourquoi ça valide pas? Parce qu'il faut 1%. Elle veut pas! Elle veut pas! Vous savez ce que c'est, la rage! J'en ai marre. Je suis à 100%, bon sang! Pourquoi elle valide pas sa compétence? Je vais péter un boulon, vous savez. Allez, mais viens pêcher! Oh, j'en ai marre! Oh, mais je fais tout pour qu'elle se sente bien. Elle passe son temps à se plaindre. Elle est jamais contente. Ah, la relou de l'enfer, quoi. Ça y est. Non! Allez! Ça y est, elle consent enfin. Mais tu vas pêcher! J'en peux plus, j'en peux plus. Bon, elle est revenue dans le jaune. Ah non, mais là, flûte, hein. Zut, flûte mince, j'en ai marre d'elle. Mais vous imaginez même pas. Et tu vas venir pêcher. Punaise, mais j'ai besoin qu'elle fasse 3 secondes de pêche pour valider. Vous voyez pas, ça m'a bousillé une journée. Juste pour 1%. Oh. Ah, bon sang! Allez, arrête, tu me saoules. Vas-y, rentre chez toi. Franchement, Jessie, je te déteste. Voilà, on est enfin au niveau 10 de la pêche. C'était à peine compliqué. Tiens, y a elle qui est arrivée. Eh bien, ce sera pour la suite du challenge voyage surprise, sachant que le Gregoun va devenir jeune adulte, donc il va pouvoir copuler avec cette demoiselle. Ça va être sympathique. Et ça va être surtout très rapide, tout ça. Moi, en attendant, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'avoir regardé pour cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à vous abonner ou à partager ma chaîne. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt pour la suite de Voyage Surprise sur ma chaîne. Vous êtes chose. Ciao.